Qu'il est là un tricot, une fée qu'il entendit pleurer dans le noir. Pour le consoler, lui dit: filons sur la neige blanche en ce beau jour de dimanche, à travers les sapins verts. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Le bon Dieu dans sa paradis le bleu de son ciel est si doux. Tambourin, onze dames qui dansaient autour du vert sapin en se frappant dans les mains. Danser autour du vert sapin et chanter jusqu'au matin. Danser autour du vert sapin en se frappant dans les mains. Et s'embrasser devant témoins sous le gui ou dans un ils étaient sous le gui et me croyaient endormi, mais sans en avoir l'air, j'avais les deux yeux entrouverts. Assis, papa était venu à passer. Il aurait un certain petit frisson dans le dos en voyant le sapin décoré et rempli de à part la patate. La patate à part. Un ragoût de pâte. La soupe au poids. Qu'est-ce qu'on dévore? 12 verres de vin, 11 verres de gin, 10 verres de bière, 9 cuisses de dinde et une perdrix dans un poignet. Mais la tour, qu'on savoure, gourre, tout entière. Fête ménagère. Sous savon, la tourtière. On vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Good tidings to you, wherever you are. Good tidings for Christmas and a happy new year. On vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël. Waouh! Oh, vous êtes écœurant! Oh, ça vous a pris combien de temps? Ça nous a pris 8 ans à faire ça! C'est 2004 qu'on est là-dessus! Écoute, on a pratiqué par Skype en Italie. Oui, c'est vrai, en plus! Non, c'est vrai! Oui, j'étais sur MP4 en Italie. Les autres, des petits mots, on s'envoyait des MP3. Oh, ça a été de l'Italie à Granby. En fait, c'est un mash-up de chansons de Noël, c'est ça? Absolument, c'est Edith, il faut dire que c'est Edith Myers qui a fait la... C'est Edith qui nous a tout fait le medley très en amie, c'est marrant. J'ai arrangé le medley qui est très hot, puis on a beaucoup... Au début, ça a été tough, vraiment difficile à apprendre, ardu, puis là, il y a une chorégraphie avec ça. Ah oui, il y a une chorégraphie, mais là, il y a une chorégraphie sur scène. Et... c'était difficile au début, mais c'est devenu un des moments, nos moments préférés, ouais. Parce que c'est le fun à faire. C'est comme un jeu, maintenant. C'est comme la chanson parce de McDo qu'il y avait travaillé. À un moment donné. Là, tu sais, Big Bang, mais DLT. Ça part. Non, mais il faut voir le sapin de Noël de Jean-François. Ah oui. Ah oui, hein? Jean-François fait un très beau sapin de Noël. Ah oui, puis vous tournez autour. Oui. Ah ouais, c'est ça, ben oui. Mais c'est Marie-Ève qui disait que c'est la chanson la plus acrobatique du spectacle. Ça l'est. C'est aérobique. Aérobique. T'as pas vu à la fin comment on est tout seul? Non, mais attends, là, moi, je manque de manquer, mais me perdre mes souliers 45 fois dans ce numéro-là. Je les retiens tout le temps. À la fin, si on n'arrête pas, je tombe à terre. C'est pas Noël. Tu vas garder tes barres. Oui, c'est beau, hein? OK. La chanson que vous prenez le plus de goût à chanter, le plus de plaisir à chanter. Plus de plaisir à chanter. Je vais passer à chaque personne. Oui, à chacun des. Je te dirais, dans le spectacle, là, ce soir, moi, j'aime beaucoup chanter avec Marie-Ève Blue Christmas. Ouais. Oui.
J'espère que tu vas dire la même réponse. Moi, c'est pas elle. Oh. Non, ça fait partie des chansons que j'aime. J'aime non. ça parce que je joue de la guitare, c'est ouais. le fun, puis on... Ça nous représente. C'est une des chansons qui nous représente le plus. OK, 10 secondes. Oui, oui, 10 secondes. La chanson Blue Christmas, je l'adore. J'aime ça chanter ça avec ma rêve. Ah, 10 secondes. I'll have a blue Christmas without you. Elvis. Hein? Elvis, Elvis Presley. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. À ton tour. Ma chanson? Ave Maria, Schubert. Je l'aime, mais elle me fait mal un peu en même temps aussi parce que ben hurt so good. Ben genre parce que mon père la chantait, parce que mon pépé il la chantait aussi. Ben, tu sais c'est comme tu sais on aime des fois se faire un peu broyer là. Alors, c'est mon maman boule dans la gorge. Mais c'est comme plusieurs Ave Maria en même temps mélangées, ouais, ouais. hein, c'est ça. Ouais, ça aussi ça a été long à apprendre. 5 ans, ça, là? Et toi? Moi, c'est ben, genre, mon âme d'enfant encore, le medley que j'ai tant de plaisir à faire. Ouais, hein? C'est juste trop le fun. J'adore ça. Toi, t'es jeune, t'as de la mémoire, c'est pour ça. C'est ça, pour essayer. Pas d'oméga 3. Pour moi, je pense que c'est le moment gospel. Parce que tout à coup, on sort de l'église catholique traditionnelle, puis on va dans le monde du gospel, puis c'est tellement riche. Je sais pas si t'es déjà allé dans une église évangélique, là. Évangéliste, mais ils sont tous debout avec les mains, en train de chanter, puis là, tout à coup, surtout avec Sylvie, c'est merveilleux. Écoute, elle amène tout son côté soul. Puis pendant à peu près 3 minutes, je me fais croire que je suis une belle grosse noire. Moi, avec. Une belle maman. Sylvie? Même chose que je dis. Même chose. Ah ouais, c'est powerful. Merci beaucoup. C'est tout un cadeau de Noël que vous me faites. Eh ben, joyeux Noël. Joyeux Noël. Noyeux Joël. Une perdrix dans un poirier aussi. Et c'est comment ça finit? Et une perdrix dans un poirier. Toi, là, c'est quoi ta chanson de Noël préférée? Oui, c'est quoi ta chanson de Noël préférée? Moi, là, le petit garçon au tambour là, que t'as fait. Ah oui. Vas-y, Herbie. Okay. Sur la route, parapapam-pam. Puis après, ça s'arrête. Petit tambour s'en va, parapapam-pam. Herbie, je trouve que t'es un très bon intervieweur, Herbie. T'as un talent d'intervieweur extraordinaire. Il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Bye bye.